Aurélie, tu habites à Paris, ça fait longtemps? Non, ça fait... Oh, comment? Ça fait 3 ans que je suis arrivée. Je suis arrivée en 2005, donc je suis arrivée pour un stage et j'ai continué en cherchant du travail et en trouvant du travail. Donc je pense que je vais rester encore un moment à Paris. Donc t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ouais, ouais. Il y a des avantages et des inconvénients, mais globalement, la vie est sympa. Ouais. Alors justement, on dit toujours que c'est hyper compliqué de trouver un logement à Paris. C'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai. Enfin, finalement, j'ai eu plus de chance que d'autres. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une place dans un foyer. Donc je payais pas très cher pour quelque chose qui était plutôt bien. Et après, j'ai opté pour la colocation. Donc ce qui permet de trouver plus facilement et d'avoir un plus grand appartement pour moins cher. Donc voilà. Et alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'installer à Paris, qui veut trouver un logement? C'est pas facile quand même. Non, il faut s'armer de patience et il faut souvent se faire aider parce qu'ils demandent beaucoup de papiers et ce qu'on appelle des cautions. Une caution, c'est une personne qui doit payer à ta place le loyer. Et il faut avancer beaucoup d'argent et il faut avoir des personnes ressources. Donc c'est pas facile de se loger à Paris. Pour trouver un appartement en tout cas. Après, il y a d'autres solutions comme les foyers ou la colocation qui sont peut-être plus adaptées à des étudiants par exemple. Ouais. Mais quand on travaille, c'est un peu différent. Quand on travaille, c'est différent. Ouais. Alors justement, la colocation, c'est comment là où tu habites actuellement? On est deux, donc c'est une petite colocation et puis ça se passe bien. On a un bel appartement qui est plutôt sympa et on paye pas très cher. Et après, voilà, la vie à deux, c'est une organisation, surtout quand on se connaît pas forcément dès le début. Mais voilà, après, en respectant chacun, on arrive à vivre ensemble. Donc là, les relations sont bonnes? Oui, elles sont bonnes. Ouais.